Salut, c'est Super Connard. Prépare-toi à regarder une vidéo privée sur. Alors si ta casette est aussi grosse que baguette, clique sur j'aime. On y est les amis. Fallout 4 est disponible. Je vous propose de vivre avec moi une aventure formidable. Une aventure sans retour. Une aventure avec de l'action. Une aventure avec du suspense. Une aventure avec des échanges commerciaux. Vous l'aurez compris, on est parti pour une série de vidéos sur Fallout. On va créer notre personnage et vivre ensemble notre propre aventure sur Fallout 4. Nous allons découvrir un monde dévasté. Nous allons faire des choix. Ensemble, nous choisirons un monde meilleur. Fallout 4. Voilà, petite intro de type épique. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Qu'il est beau! Alors, on va pouvoir modéliser notre personnage. Donc, si vous êtes d'accord, un personnage de type masculin. On peut changer sa coupe, tout ça. Donc, on va faire un beau monsieur. On va essayer de faire quelque chose de bon. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? C'est classe, non? On va lui faire de grosses lèvres. Tu sais que tu as de belles lèvres. Tu sais que tu as de belles lèvres. Regarde sa gueule, attends. Arrête de mentir, hein. Salut, beau gosse. Non, t'es pas beau gosse, désolé. Arrête des mythos, je te fais un gros montre. Eh, on va l'appeler Bogdanov bientôt, tu sais. Allez, ça perd fou instantanément. Tu es un petit peu creusé aujourd'hui, Bogdanov. Très classe. Ouais, oui, Bogdanov. Si tu peux me permettre. Oui, Bogdanov, tu peux te permettre. Tu es aussi beau que le jour où je t'ai rencontré. Mais arrête de mentir. Oh, y'a de ses lèvres toutes pourries. Regarde, ses lèvres toutes pourries. Oh. J'ai pas trop mauvaise allure. Je n'en dirais pas autant. J'adore ses lèvres. Je crois que t'es la seule. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? C'est classe, non? Disons que tu as eu quelques radiations. Bon. Chérie, il est pas trop gros, mon nez. Bon, on dirait un vieux poisson. Je t'ai déjà dit que j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Ouais, je sais, tu me le dis souvent. Tu as quelques taches sur le visage, quelques... Ah, il y a un vieux bouton blanc, il faut le percer. Salut, beau gosse. Non, j'irai pas ça quand même. Très élégant. Ouais, je pense que c'est bon, on tient quelque chose de pas mal. Allez, on confirme. On va commencer avec ce personnage. Ah, ça y est. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi. Mon cœur? Je me dépêche, pas de panique. Allez, viens. Allez. Hein? Je me prépare. Ok, je vais couler une pêche. Alors, qu'est-ce que... Chérie, j'ai fermé la porte. Tu sais ce que ça veut dire? J'en ai pour une minute. Ouais, moi aussi, j'en ai pour une minute, t'inquiète pas. Alors voici ma maison. Ah, c'est plutôt charmant. Ici, nous avons la chambre de Frédéric et de sa femme. La chambre de Kevin. J'ai hâte de lui apprendre à en faire. Il est là. Oh! Oh! Kevin, regardez! Kevin, bébé, viens par là, petit Kevin. Je vais faire une petite aventure avec toi. Ah non. Il est un peu bizarre quand même, genre, ça ressemble un peu à un alien. Et de surcroît, je dirais même qu'il a la peau un peu basanée. Chérie, excuse-moi. Bon, notre bébé, il a un peu la couleur basanée, non? Moi, je suis blanc, je suis même roux, donc je veux dire, il peut pas être basané. C'est fou, c'est déjà Halloween. Non, ce n'est pas Halloween, c'est ma tête de tous les jours. T'as le trac? Je n'ai pas le trac. Tout le monde va adorer ton discours. Comment une fille comme moi a pu avoir autant de chance? Écoute... On peut s'expliquer, on peut trouver un moyen de trouver, voilà, pourquoi tu as autant de chance. Je pense que si tu me rends service, on pourra justifier ça. Bon, on est parti pour un vlog super intéressant. Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous présente ma maison. Donc ça, c'est ma machine à laver, ça c'est mon salon, voilà. Bonjour monsieur. Ah, tenez, bonjour. Votre café. Oh. Température de 78,6 degrés Celsius, comme d'habitude. D'accord. Vous m'en direz des nouvelles. Et le journal d'aujourd'hui, qui vient d'être livré. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Cotsworth. J'espère que le café est à votre goût, monsieur. Ça va, bof, hein. Prochaine fois, tu feras mieux, parce que bon... Oh, il y a Kevin qui pleure. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer le petit chaud. Kevin s'est chié dessus, attends. T'as fait caca, Kevin. Kevin a fait caca. Oh, toujours plus de corvée. Bah alors, tu lui changes sa couche ou quoi? Cotsworth. Je passerai l'aspirateur plus tard. Non, c'est pas l'aspirateur qu'il faut passer, il est séché dessus, il faut juste lui changer la couche. Ne vous occupez pas de la vaisselle, c'est mon travail. On va pas mettre Kevin au lave-vaisselle, Cotsworth, quand même, c'est un bébé. Et on ne touche pas au linge sale. Bon, bah, ni ta mère, il m'a saoulé. T'es complètement con. Il faudrait lui faire une mise à jour à ce bureau, parce que... Ouais, je me casse. Oh, y'a un monsieur. Bonjour. Vous voulez que j'ouvre la porte? Eh ben moi non. Salut. Je suis caché.
Ok, ça va, je vais ouvrir la porte. Bonjour. Bonjour. Société Voltec. Voltec ? Pas d'inquiétude. Je ne vends rien du tout. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Question de vie ou de mort ? Bon, allez, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... C'est de l'argent, oui. Un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. L'abri 111 ? Mais je n'ai pas le temps pour ces conneries. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne prendra qu'un instant. Je dois simplement vérifier certaines informations. Je dois m'assurer que vous aurez bien accès à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Je m'en fiche. ça me plaît. Alors, voyons. Donc là, on va établir le skill de mon perso. Enfin là, vous avez différents specs. Voilà, force, perception, endurance, charisme. Je pense qu'en charisme, étant donné la tête de Frédéric, on peut mettre un bon petit 4. Voilà, je pense que j'ai un peu équilibré le tout. Ah, je dois donner un nom. On va l'appeler... Frédéric, le survivant. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Je m'appelle Frédéric. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ah bah ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non ? Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas ? T'as l'air pleure. Kevin, qu'est-ce qui se passe, Codsworth ? J'ai entendu Codsworth. Allez, allez. Si je puis me permettre... Il faudrait que vous vous occupiez personnellement de Sean. Oh ! Un enfant a besoin de son père. Il faut encore que je m'occupe de Kevin, bordel, qu'est-ce que t'as foutu ? Qu'est-ce qui t'arrive, Kéké ? Allez, viens. Alors, comment vont mes hommes préférés ? Bah, il s'est chié dessus, encore une fois. Il adore ça. Encore ? C'est bon, j'ai fait. Fais tout doux, petit Kevin. Comment se porte mon petit bonhomme ? Faut arrêter de te chier dessus. Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth ? Faut que j'aille voir, j'arrive. Attendez, des éclairs. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth ? Des bruits d'explosion. Qu'est-ce que c'est ? Nous essayons d'en savoir plus. Des éclairs et des explosions ? Indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Pennsylvanie. Oh mon Dieu. Please stand. Faut qu'on aille à l'abri. Vite. J'ai Sean avec moi. Allez, allons-y. Prends Kéké, on y va. On se casse. Qu'est-ce qui se... Habitant de Sanctuary. Bonjour. Si vous êtes inscrit... Arrêtez. L'abri est par ici. Allez. Allez, vite, il faut y aller. Accroche-toi. Accroche Kevin. On va s'en sortir. Vous allez tous mourir ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Allez, go. Dépêche-toi, salope. Pas le temps. Y'a pas le temps, ça va péter. Les bagages, on s'en fiche. Eh oui, il est complètement con ton mari. Allez, viens. Allez. Cours. Oh mon Dieu. C'est absurde. C'est quoi ça? C'est moi, Voltaire. Si je rentre, vous ne passerez pas. J'ai mon nom sur la liste. Dégagez. Portez plainte. Si vous êtes inscrit, avancez. Sinon, rentrez chez vous. Je vais aller porter plainte. Ils vont nous faire mourir. On est sur la liste. Homme adulte. C'est bon. Merci. Bonne chance. C'est bon. On est rentré. Regarde, chérie. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière ? Oh, ils vont crever. On s'en fout. Allez, dépêchez-vous. On y va. Waouh. Allez, vite. On se dépêche. Montez sur la plateforme. On monte sur la plateforme. Au milieu. Allez. Y'a que ça qui... Bonjour. Enchanté. On va survivre à une attaque nucléaire. On y est presque. C'est super. T'inquiète pas, chérie, ça va aller. Oh. Explosion. Accroche-toi. Faites tomber le truc là, on va se faire péter. On a survécu. Frédéric, Kevin, vous êtes en vie? Ah c'est bon, on est en vie. On a réussi. Genre il y a des flammes sur le truc. Ah non c'est... On y est, tout va bien. C'est bon, sortez, Kevin va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. Vous allez tous intégrer... Regarde, Kevin, il fait la sieste, il s'en bat les couilles, bon. Explosion nucléaire. Donc là... Allez, chérie, bouge ton cul. Qu'est-ce qui se passe?
Mais rien, ce n'est qu'une explosion atomique. Oh. Mais du monde ici, il y a de la femelle à culbuter. J'arrête pas de trembler. On s'en fout, allez, bouge. Allez. Là-bas, on est une combinaison. Okay. Avancez jusqu'à la table. Oh, vous avez des gros nénés. Bon, ah bah, vous trois, suivez-moi. Une combinaison par personne. Ça de la gueule, hein. Maintenant, suivez notre nouvelle maison. Oh, vous serez bien ici. La combinaison de l'abri est conçue pour je être aussi confortable juste les gens que sur la liste. Mais ils parlent tous en même temps, moi je ne comprends rien. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Ah. Sérieux, on va devoir dormir. Ils vont nous cryogéniser. T'inquiète, Kéké. Fais pas la tapette. Voilà, tu vois. Allez. À dans 30 ans. Il fait un peu froid, les narouleaux. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Bonjour. Hey, c'est moi, conscience regarde vitale de l'occupant. Je vais me faire cryogéniser. Procédure terminée. Ah, dodo. 5. Un petit dodo. 4. 3. Je vais même pas faire un bisou pour dire au revoir et tout. On voit le truc 30 ans plus tard. On va voir Kevin, ça va être un petit glaçon. Un petit glaçon pour mettre dans le Ricard. Oh non, ils vont la piquer, je vais devoir le chercher. Oh non. Je vais devoir la chercher tout le long du jeu. Oh, j'aime pas ce genre de truc. Kevin ! C'est fini ? Kéké, c'est un petit glaçon, regarde-le au loin. Ne vous inquiétez pas, lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Non, 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 tire pas ! God. Oh, vite. What the fuck? Ah bah vlog. Bon, ça annonce une belle aventure. Ah, j'ai perdu ma femme, va falloir que je trouve une autre femme potentiellement motocultable. Bon, on verra plus tard. Critique de la station. La station cryogénique. Riz doivent évacuer immédiatement. Oh. Eh oui, on a dormi pendant 30 ans. Allez! Il doit bien y avoir une ouverture! Allez! Allez, allez, allez! Ah là, c'est bon. Oh non! Non, elle est morte, c'est foutu, c'est mort. Oh! Je découvrirai qui a fait ça. Et je t'es morte? Chaud. Je te promets. Eh ben ils sont tous morts. Dysfonctionnement de la commande manuelle. Et toi t'es mort aussi? Oh bon sang. Comment Voltec a pu faire une chose pareille? Et là? Mais ils sont tous décédés. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un ou quoi? On commence à s'inquiéter avec Frédéric. Ici. Oh non. Ils sont morts. S'ils sont tous manuelle. Morts. J'ai envoyé un mail au directeur, il va voir. Ça va chier. Arrêt prématuré suite à une panne de système. Tentative isolée de prise de contrôle manuelle et à distance détectée. Quelqu'un aurait désactivé les stations cryogéniques. Ce que j'aimerais savoir, c'est combien de temps s'est passé pendant notre cryogénisation. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Wow. C'est un gros cafard. Mais il y en a plein en plus. Ça c'est quoi ça? Une matraque. Ouh. Je sens que je vais matraquer. Instruction de sécurité. Confidentiel, confidentiel, confidentiel. On est... L'abri 111 est conçu pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur des sujets humains inconscients de leur situation. Le personnel de sécurité est responsable du maintien de l'intégralité de l'installation et de la surveillance des activités du personnel scientifique. En aucun cas, le personnel n'est autorisé à dévier des tâches qui lui sont confiées. Toute insubordination ou ingérence dans les opérations de l'abri constitue des infractions majeures autorisant le personnel de sécurité à faire usage de leurs armes. Il y aurait donc des armes dans l'abri 111. À moi de trouver où elles sont. Signal de fin d'alerte. Suite à une catastrophe nucléaire, les employants de Voltec surveillent la surface pour vérifier les dangers potentiels. Notamment le gouvernement de l'armée. Les résidents cryogénisés ne doivent en aucun cas être évacués. Vu l'état des trucs, je crois que je suis resté très longtemps. Parce que c'était tout neuf tout à l'heure. Ah bah, ça va, il est. Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? T'imagines le bug?
Tu te réveilles 30 ans plus tard, il y a un cafard géant. Je me sers en canette. Oh, je suis à poil. Frédéric, tu as... Je sais qu'il s'est passé 30 ans, mais bon, tu as une sale gueule quand même. Bon, ça me fait penser que je suis en slip et qu'il faudrait quand même que je trouve des vêtements. Oh, il y a trop de PC, il y a tellement de lecture. Oh, c'est un jeu. Oh, le jeu de merde, c'est en 2067. Eh ben putain. Ah, mais c'est Donkey Kong. Oui, ceci est un jeu vidéo. C'est une refonte de Donkey Kong en 2067. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt impressionnant. Il m'attaque! Il m'attaque en plus, le bordel. Ah! Elga, oh! Ah, putain! Ça fait peur. Je peux jouer. Où sont tous les autres? T'as dû rester un moment ici, toi. Bef! Je l'ai éclaté, le bordel. Alors, par contre, est-ce qu'on en parle de mes doigts de pied? Est-ce que vous avez vu la gueule de mes doigts de pied? Oh, un flingue! Yeah! Waouh! Est-ce qu'il y a des survivants? Toi aussi, t'es resté longtemps. Doigt verrouillé par terminal. Va falloir que je hack. Mister Robot, c'est moi. Alors. Hihi. Waouh. Paf. Paf. Oh lui, je vais lui mettre une de ses boulettes. Oh, je l'ai raté. Paf. Ouverture du sas. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. On y est, les amis. Veuillez reculer. L'aventure commence maintenant. Le vol 211 ouvre ses portes et nous laisse pénétrer dans un monde post-apocalyptique rempli de surprises. C'est un petit peu long quand même. Frédéric, voici le monde d'aujourd'hui. Tu as un fils à sauver. Et c'est maintenant que tu peux y aller. Ne regarde pas derrière toi et oublie ta femme. Avance vers ce nouveau monde qui t'attend. Petit ascenseur est arrivé. Bon. Ils ont pas fait les choses à moitié, Bethesda. Ah, ça c'est comme dans le trailer. Oh, je suis ébloui. Le nouveau monde. Oh mon Dieu. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Notre monde n'est plus. La guerre ne meurt jamais. C'est la guerre qui nous tue. Je retrouverai Kevin. Je parcourirai la Terre entière, s'il le faut. Waouh. Et voilà. Nous y sommes. Le monde. Il va falloir être courageux, les baguettes. C'est parti. Oh, il y a des oiseaux, des petits corbeaux. Poule. Oh, je l'ai eu. Oh, il est bugué. Il est bugué. Regardez. Oh, merde. Malheur. Allez. J'aimerais bien voir ce qui est devenu ma maison. Après une explosion nucléaire. Oh, il y a tous les cadavres de tout à l'heure. Oh non. Oh, je suis désolé, les gars. Ah, moi, j'étais super bien. Moi, j'étais dans mon petit frigo. Bon, ma femme est morte. Elle s'est pris une balle. Donc, ça, c'est con. Mais je peux rien y faire. De toute façon. Waouh, la gueule de la map, quoi. C'est impressionnant. Vraiment joli. Vraiment, vraiment joli, quoi. On y arrive. Le pâté de maison. Regardez ce qui était devenu. C'était un endroit plein de vie. C'était chaleureux. Nous avons des voisins. Des voisins bien. Des voisins moins bien. Oh! Regardez là-bas. Ce serait pas le petit Hot Wheels? Code Wars ou je sais plus quoi. Yo, ma poule! Barbe! Oh! C'est vraiment vous! Oui, c'est moi. Que s'est-il passé, Hot Wars? Eh bien, mis à part le fait que nos géraniums continuent de faire des jaloux à Sunbury Hills, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand-chose par ici. Bah. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour. Votre épouse et vous. Où est madame, d'ailleurs? Elle est morte, Codworth. Elle est morte. Tu ne saurais pas qui l'a tuée? J'ai juste vu le fils de madame Rosa qui se promenait dans son costume d'Halloween plus d'une semaine avant la date. Madame et vous avez toujours été des parents responsables.
Où est-elle, d'ailleurs ? Elle est morte, Codworth. Elle est morte. Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre, mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. 200 ans ? Quoi ? Ça fait 200 ans ? Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation ? Bon, eh bien, je viens d'apprendre que ça fait 200 ans que je ne me suis pas réveillé, que le monde a bien changé. Je ne sais pas où est Kevin. Ma femme est morte. Mais bon, Codworth va m'emmener... Oh, c'est ma maison, ça. Qu'est-ce qu'il fout ? Tant pis. J'imagine que nous aurons d'autres occasions de nous battre. Les vieilles mouches, quoi. Attendez. Les capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Non, c'est pas ma maison, ça. Est-ce que tu m'emmènes, Codworth ? Attention, Codworth ! Je vais me... Oh, elle a chié de... Ah mais ah il jette des crottes là. Garde tes crottes. Regarde, elle va me lancer une crotte, on va la voir au ralenti. Oh, t'es gentil mais je suis en slip et à pieds nus depuis tout à l'heure, j'aimerais bien. Ça c'est notre maison. Oui, je la reconnais. Il y a encore la bouteille de lait qui a été bu. Oh. Je me rappelle. Elle était là, je lui parlais, et là il y avait Kevin. Je viens te chercher, mon garçon. Je vais te chercher. Bon, y a pas des vêtements qui traînent au pire. Non, parce que bon, je suis en slip quoi. On va essayer d'aller à Concorde, voir s'il y a des survivants. Il faut aussi que je trouve le chien. Il faudrait que je trouve des fringues quoi. Parce que le mec il est en slip, c'est. Bonjour, je suis Frédéric, célèbre aventurier et survivant de l'apocalypse. Je suis avant tout un soldat en slip. Ouah, sa mère! Ah bah voilà. Je suis con en fait, j'en avais, c'était dans mon inventaire. Me voilà tout beau. Je suis Frédéric. Frédéric l'aventurier. Frédéric sur le pont. Frédéric près des cadavres. Frédéric dans la rivière. Frédéric dans la forêt. Ah! Le chien. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Mais alors? Tu veux m'accompagner, bonhomme? D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Allez, viens! Ah, je peux l'envoyer, genre. Allez, va chercher! Allez, là-bas! Va chercher! Oh! What the f... Qu'est-ce que c'est ça? Oh oh! Putain, ils sont combien? Attaque! Oh, il l'a déglingué! Bien joué! Il faudrait trouver un nom pour le chien. Je sais pas comment on peut l'appeler. Je vous propose en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez des propositions. Je prendrai. Comme ça, vous pourrez participer. Je prendrai le nom. Un nom que j'aime bien. Voilà, laissez un petit commentaire avec juste le nom du chien. Je jetterai un coup d'œil. Bon, allez, il faut que j'aille à Concorde. Ah, c'est ça, Concorde? Ça, c'est la ville. On va aller voir. Wow! Ah putain, il y en a. Oh oh! Le chien? Oh le chien! Il faut vite que je l'attaque lui. Paf! Paf! Ah! Tu meufs! Un moustique de l'enfer! Putain, ils l'ont déglingué! Oh! Toute pourrie! Le brahmin, c'est une vache à deux têtes. Voilà. La ville de Concorde. Sympa. Sympathique. On a pas l'air d'avoir beaucoup d'êtres humains ici. Allez, viens. Il y a des coups de feu là-bas. C'est un ennemi, ça. C'est peut-être un allié. T'es sûr de toi? T'es sûr que c'est un ennemi? Ok, je te crois. Oh, il a perdu sa tête comme... Attention. Éloigne-toi, je vais me la faire. Tiens, touche pas à mon kleps. Ok, on va les prendre par derrière. Suis-moi, let's go. Ok, ils se prennent. On va les contourner. Attaque-le, salaud.
Bien joué. Excellent. Hé, hey, par ici, sur le balcon. J'arrive. Venez ici. Ah, je sais, c'était au début. C'est un joli musée que voici, mais désolé. Là, c'est... Il est pas mort. Ah. Bien joué. C'est de la merde cette arme. Bien joué, Clébar. Attention derrière toi. Paf, à la tête. Gâche, putain. Oh, bâtard. Headshot. Allez, passe le 6 shot de. Oh, c'était moyen. Et merde, go, 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 go. Hip. Allez. Et bon. C'est mort, Jean-Michel. Let's go, motherfucker! Dégagez! Oh! Tiens! Touche pas mon clébard. Oh! Oh fuck! L'écorcheur! Feu à volonté sur l'écorcheur! Oh, je suis dans la merde! Holy fuck! Oh non! Vite, 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 vite! La tête, la tête, la tête, la tête! Pourquoi je peux pas? Eh hey, fuck! Ah! Il m'a déglingué! Ouah, je suis dans la merde! Recharge, recharge! Putain, non! Oh shit! Mais j'étais pas prêt, merde! Allez hop, ça part au fou! Oh, il se passe quoi? Merde, je prends feu. Ah. Wow. C'est quoi ça? Ok, le vlog, vite, faut que je recharge. Fuck, 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 vite, 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 recharge. Ok, on y est, on y est, on y est. Feu à volonté. Oh shit. Oh, il a tapé, oh, il a déglingué le chien. Crève. Ordure. Waouh. Wow. Je comprends pas ce qui se passe. C'est bon, je vais me le faire. Allez, 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 allez. On y est presque. Yes. Crève, saloperie. Allez, à vous maintenant. Culé. Oh, ça a pété de tous les sens. Ouh. Et mon chien, il va bien parce que... Ça va, Tcho? Oh, merde, il est blessé. Oh. Maintenant que j'ai tué les corcheurs et tué tous les pillards, je pense qu'on est bon. On va aller voir Preston. C'était vraiment impressionnant. Je sais, je sais. Je suis content que vous soyez de notre côté. Et voilà les amis, on y est, on va arrêter ici. On est en direction de Diamond City pour aller voir si Kevin se trouve là-bas. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, merci d'avoir suivi cette aventure, ça ne fait que commencer. À bientôt les baguettes.